Hello, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui est étrangement pas mal sur YouTube en ce moment, mais je crois que c'est un peu un hasard. Et j'avais décidé depuis un petit moment de vous faire cette vidéo des 50 faits sur moi. Certaines de ces petites infos sont absolument inintéressantes et inutiles, d'autres sont peut-être un peu plus intéressantes. Pour ceux qui me connaissent plus et qui me suivent depuis très longtemps, il y a de grandes chances que vous en connaissiez déjà pas mal. Pour les autres, et bien j'espère que vous allez apprendre à me connaître et que ça va vous plaire. Le nom de ma chaîne, c'est mon prénom à l'envers. Le nom de ma chaîne, c'est Enabla, mon prénom c'est Alban. Si on inverse toutes les lettres et qu'on les met dans l'autre sens, ça donne mon prénom ou le nom de ma chaîne. Mon signe astrologique chinois, c'est le chien. C'est-à-dire que je suis née en 1994 et que j'ai 22 ans. Pour l'instant, dans ma vie, j'ai voyagé dans 8 pays, je crois, si j'ai bien compté. C'est pas énorme, c'est pas suffisant à mon goût. Et rien qu'au mois de février 2017, je vais en faire 3 dans le mois. 4 même si on compte une escale dans un pays où je ne vais rester que 2h30. Mon plat préféré, c'est les légumes farcis. Et si vous n'avez toujours pas vu, j'en ai fait une vidéo recette sur ma chaîne. Je rêve de parler beaucoup plus de langues que ce que je ne parle actuellement. Je parle actuellement le français comme langue maternelle, l'allemand couramment, l'anglais couramment, l'espagnol très peu. Et je rêverais de parler plein d'autres langues. J'espère apprendre l'indonésien pendant que je vais être à Bali. Je n'ai jamais fumé de ma vie. Même pas une seule latte, que ce soit cigarette ou autre chose. Jamais. Même si j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui sont fumeurs, donc au niveau passif, je fume quasiment tous les jours, malheureusement. J'ai un petit frère et deux petites sœurs qui sont jumelles. Je crois à 10 000% en l'amour et au mariage, même si j'ai été beaucoup déçue en amour, ça m'empêche pas d'y croire et je suis sûre que ça existe et que un jour on trouvera tous la personne qui nous correspond. J'ai une phobie incontrôlable pour les rongeurs. C'est-à-dire que quand je vois une photo, ou en vrai je ne peux même pas, je fais des bonds de 10 mètres, que ce soit rat, souris, hamster, cochon d'Inde, tous ces trucs là, je ne peux pas, c'est... j'arrive pas. Rien que d'y penser là, ça me rend pas bien et je peux pas. Dans une animalerie, je suis obligée de faire tout le tour du magasin pour être sûre de ne pas passer devant les rongeurs, pour vous dire. Je suis née avec les yeux quasiment noirs et aujourd'hui ils sont de plus en plus verts. Si vous regardez les photos d'il y a quelques années, vous verrez que j'avais les yeux marrons très foncés et aujourd'hui ils sont de plus en plus verts, peut-être que je vais mourir avec les yeux bleus plus tard, je ne sais pas. J'ai fait 11 ans de musique et aujourd'hui je suis quasiment incapable de lire une clé d'ut ou une clé de fa. Clé de sol ça va, mais clé d'ut et clé de fa je suis obligée de vraiment me concentrer et c'est une véritable honte pour moi après autant d'années. Je ne sais absolument pas être rancunière et je pardonne absolument tout aux gens que j'aime. Et aux gens que j'aime pas, bah en fait je m'en fiche de leur pardonner puisqu'ils comptent pas pour moi, donc je m'en fiche. Mais je suis vraiment pas rancunière, je ne sais pas l'être. On peut me faire les pires crasses du monde, je pardonne tout. Je n'ai absolument pas peur de la mort, et encore moins d'en parler. Et ça ne me pose absolument aucun problème de parler de tout ce que j'ai vécu, parce que je me dis que ça peut aider d'autres gens. Même si je sais que très souvent ça met les gens mal à l'aise, que c'est un sujet qu'ils aiment pas aborder. Mais moi, qui suis pourtant la première concernée, j'ai absolument aucun problème à en parler parce que je sais que ça peut aider d'autres gens. J'ai une double licence, donc une licence française et une licence allemande, et j'ai validé ma licence allemande avec des meilleurs résultats que ma licence française. Je n'ai plus aucun ami datant de la maternelle ou de l'école élémentaire. Je n'ai que des amis du lycée ou de la fac quasiment, et un ami du collège. Je suis pas très bonne pour garder mes potes, je crois. Je n'ai absolument jamais été opérée et je ne me suis absolument jamais rien cassée. Je suis tombée amoureuse de 3 personnes dans ma vie. J'adore la sensation des aiguilles dans la peau lorsque je me fais tatouer et j'ai actuellement 6 tatouages et très bientôt un 7e qui arrive. J'essaie de toujours sourire aux gens dans la rue, peu importe que je les connaisse ou non. J'estime qu'un sourire, ça apporte du bonheur et que on n'a pas besoin de connaître les gens pour leur apporter du bonheur. Donc j'essaie de toujours sourire aux gens. 2016 a été la pire année de ma vie et suite à ça, j'ai décidé de m'engager pour pouvoir aider les gens qui sont dans la même situation que moi ou qui l'ont été, qui le sont encore. Voilà, j'ai décidé d'aider ces gens-là parce que je sais à quel point c'est compliqué
et je ne me laisserai plus jamais écraser comme je l'ai été. J'ai déjà été amoureuse de deux garçons en même temps et j'estime qu'on peut aimer deux personnes à la fois. Une fois que j'aurai terminé mes études et que je serai revenue de Bali, je pense passer mon permis moto. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis déjà un petit moment. Je pense vraiment le faire. J'adore la moto, mais j'adore vraiment, vraiment, vraiment ça. Je fais très, très difficilement confiance aux gens et je suis devenue de plus en plus paranoïaque avec le temps et je pense que ce que j'ai vécu récemment ne m'a pas aidée et c'est de pire en pire. Je suis vraiment parano avec les gens. C'est incroyable et c'est un vrai handicap pour moi. Actuellement, je fais de l'aide aux devoirs pour une jeune fille en difficulté. Et il y a quelques années, j'ai déjà donné des cours d'allemand dans une classe de CE2 et donné des cours d'allemand dans une classe de seconde. J'adore apporter mon aide et je suis vraiment trop trop fière de voir que les gens peuvent progresser grâce à ce que je leur apporte. Je suis à la fois très très solitaire, j'ai besoin d'être toute seule, j'ai besoin de me retrouver seule et d'être tranquille. Et à la fois j'ai besoin de voir mes potes, d'être en famille et d'être entourée de plein de gens. Au collège, on m'appelait soit la naine, soit l'anorexique parce que j'étais très petite et très fine. Et depuis, je complexe sur ma taille. Je me trouve toujours toute petite et je complexe également sur mon poids. Et je cherche à en prendre. Ou en tout cas à me muscler pour grossir physiquement. Sans forcément, bah si, prendre du poids aussi, mais voilà, vous comprenez. Quand j'étais en quatrième, donc j'avais 13 ans, je pesais 26 kilos et je ne sais pas quelle taille je faisais mais je devais être vraiment minuscule. J'ai grandi en 3ème, j'ai pris 18 cm en un an. Mais j'étais toute petite avant. Et du coup 26 kilos à 13 ans, c'est absolument pas normal puisque c'est à peu près le poids d'un enfant de 6. Donc c'est à dire que je faisais la moitié du poids de mes copines et que c'était un complexe atroce alors que je mangeais pour 10. Je mangeais n'importe quoi, je faisais pas du tout de sport, enfin je veux dire j'aurais pu grossir et j'ai un métabolisme qui fait que je ne grossis pas et c'était vraiment atroce de se faire appeler l'anorexique, ça a été vraiment très compliqué pour moi. Ma saison préférée c'est l'automne parce que j'adore Halloween et j'adore toutes les couleurs d'automne que je trouve absolument sublimes. J'adore porter des talons, même si médicalement je ne suis pas censée en porter parce que j'ai des gros gros soucis de genoux. Mais j'en porte très souvent parce que j'adore ça, je trouve ça féminin, je trouve ça joli et je trouve ça plus agréable. Et étant donné que je me trouve petite, bah ça m'aide. J'ai une maladie qui s'appelle l'ichtyose et en gros, pour faire simple, c'est une peau très 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 sèche et ça fait mal. Pour moi le voyage c'est vraiment devenu un besoin, c'est-à-dire que quand je reste en France pendant trop longtemps et que je ne bouge pas, je déprime, vraiment. Là, ça va faire un an que je suis pas sortie de la France, c'est vraiment difficile pour moi. J'ai qu'une hâte, c'est de partir et ça arrive très bientôt. J'ai trois complexes principaux sur mon visage, j'en ai plein d'autres sur le corps, mais sur le visage je déteste vraiment mon front, mon nez et mes dents. Ce qui est un petit peu dommage puisque c'est à peu près les premières choses qu'on voit sur moi. J'adore. Je prends des cours de salsa, de bachata et de hip-hop. Je ne vais pas vous dire que je sais danser, mais ça me fait du bien, j'adore ça, et du coup, c'est cool. Je fais des squats tous les jours, environ 50 par jour minimum, juste parce que j'aime ça. Je sais que c'est pas bien de travailler le même muscle tous les jours, mais en fait, j'adore faire des squats, et du coup, j'en fais tous les jours. Ils ne sont pas forcément efficaces, parce que 50 squats, en général, je les fais à vide, sauf quand c'est ma séance fesses, et du coup, là, je blinde et je fais aussi d'autres exercices. Mais on va dire que ça me maintient en forme et que j'adore faire ça, donc je le fais, c'est tout. Je fais très très régulièrement des rêves prémonitoires. Je dirais que c'est quasiment une fois par semaine. Pas forcément positif, pas forcément négatif, ça dépend. Ça peut être quelque chose d'important ou quelque chose de complètement inutile, mais ça m'arrive très très régulièrement. Alors qu'à la base je ne croyais pas du tout à ça et en fait je me rends compte que ça m'arrive tout le temps. Mon fast-food préféré, c'est le KFC. Ne me demandez pas pourquoi, j'adore le poulet, j'adore ça. Et j'adore manger KFC. Mon deuxième prénom, c'est celui d'une princesse. Mais une princesse DreamWorks, qui n'est pas forcément la mieux des princesses. Mais je l'aime quand même. Et de toute façon, je suis née bien avant la princesse. Donc, c'est comme ça et c'est tout.
Je n'aime pas les boissons pétillantes. Je n'ai jamais bu de coca, de fanta, d'orangina et de tous ces trucs-là dans ma vie. Et je trinque une fois par an avec du champagne pour mon anniversaire. Voilà, je bois une gorgée juste pour trinquer, mais je n'aime pas ça. Je suis allergique aux chats, alors que j'adore ça, je trouve ça trop mignon, mais je peux pas les approcher. Mes bonbons préférés sont les schtroumpfs. Je chausse du 39 et je porte du 32-34 au niveau de la taille de mes fringues. J'adore la viande et je ne pourrais pas m'en passer. Je suis désolée auprès de tous les végétariens et végétaliens, mais je ne pourrais pas faire comme vous. J'ai besoin dans ma vie d'avoir des amis féminins et masculins pour me sentir équilibrée. Je sais qu'il y a des gens qui ont très très peu d'amis masculins, enfin des filles, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas à l'amitié fille-garçon, mais pour moi c'est indispensable pour que je me sente bien équilibrée. Je ne juge absolument pas quelqu'un sur le physique et je ne tombe pas amoureuse par rapport au physique, absolument pas, mais je dirais que s'il y a un critère qui me fait fondre chez un garçon, c'est la barbe. Voilà. J'ai bu pour la première fois de l'alcool à 21 ans et je n'ai jamais été bourrée de ma vie. Je bois 2-3 verres en soirée, c'est tout. Et je n'ai absolument jamais été bourrée. J'ai pas du tout besoin de ça pour m'éclater et ça m'arrive bien plus souvent de faire des soirées sans alcool que des soirées alcoolisées. Enfin, moi sans alcool, pas forcément mes potes. J'adore les sushis. Je sais que c'est un cliché de youtubeuse, mais j'adore les sushis. C'est vraiment trop trop bon. C'est tout. Je suis une fille hyper têtue et j'ai des idées bien arrêtées. Et une fois que je pense un truc, il va être très compliqué de me faire changer d'avis. Pas dans le sens où je vais être chiante et je vais soutenir quelque chose si j'ai tort. Mais je veux dire, sur ma façon d'être, ma façon de penser, j'ai des idées bien arrêtées. Et pas forcément en accord avec celles de tout le monde, mais en tout cas moi je crois en ces idées-là et je ne changerai pas d'avis. Je ne suis absolument jamais partie en camping de ma vie, mais j'adorerais ça. Enfin, j'adorerais essayer, je sais pas si j'adorerais ça, mais j'adorerais essayer. Voilà. Emmenez-moi en camping, j'adore. Absolument tous mes tatouages ont une signification très personnelle. Je vous en ai parlé un petit peu plus en détail sur mon blog si ça vous intéresse. Et enfin, dernier fait des plus intéressants, j'adore les films cucu et je pleure devant chaque film. Voilà, je suis très très sensible. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis consciente qu'elle est très très longue pour des choses absolument pas très intéressantes, mais j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les faits qu'on a en commun, quelles sont les choses que vous avez envie de me partager, que ce soit quelque chose d'intéressant ou d'inintéressant. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'en mettre 50 en commentaire, mais 2-3 ça me fera plaisir, ça me fera rigoler. Dites-moi ce qu'on a en commun, ce que vous connaissiez déjà chez moi, ou ce que vous avez appris sur moi, ou je ne sais pas, dites-moi, réagissez à cette vidéo. Je vous attends en commentaire, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Je vous invite à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à regarder mes précédentes vidéos si ce n'est pas encore fait. Bisous !